DJ Assad est un artiste international qu'on ne présente plus. Il a sorti plusieurs albums. Il est ici à l'île Maurice pour son nouveau single Make It Hot avec The Beautiful Vocals de Sabrina Washington. Assad, il y a beaucoup de gens à l'île Maurice en te voyant en concert, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont téléphoné sur Music FM pour nous dire qu'on voit pas, on veut voir un peu Assad, on veut le connaître un peu, comment il a commencé. Alors raconte-nous un peu comment ça se passe en France. Je suis là. Je suis là. Ben écoute, ça se passe très bien grâce à Dieu, comme on dit. J'ai une émission de radio sur Énergie, je fais mes productions, je vais en date tous les week-ends, je parcours un peu toute l'Europe, tous les week-ends je vais mixer à droite à gauche. Je suis super content, super heureux, tout se passe super bien. Le single Make It Hot, oui. Ok, il y aura un album qui va en découler. Exactement, alors parle-nous de cet album qu'on attend avec impatience à l'émorice. Bah écoute, je suis en préparation, totale préparation, pour l'instant c'est Make It Hot, premier single. Deuxième single, une exclusivité, ça va être avec Mohombi, l'auteur du tube Bumpy Ride, aussi l'auteur du tube Soirée MNT avec Pitbull et Nayer. Un gros tube et je compte le sortir pour cet été. Alors quand tu viens les Maurice la prochaine fois, tu les emmènes avec toi? Bien sûr, c'est prévu déjà, c'est prévu. Excellent, excellent, bonne nouvelle. Et maintenant j'ai des questions que les gens m'ont envoyées. Et première question, tu avais collaboré avec Vincent Brass sur Pop My Life. Alors raconte un peu. Mais écoute, c'était la deuxième fois que je collaborais avec lui pour un single. La première single c'était For Your Eyes, qui a fait un carton phénoménal en Europe. On a halluciné de ce carton alors qu'on l'avait enregistré à Granby, dans une petite chambre derrière deux matelas. On a réussi à faire un tube monumental. Après, bon, on a décidé d'enregistrer un autre single qui s'appelle Pop My Life, qu'on a tourné à Maurice en plus. Le clip a été tourné dans le Nord aussi. Et puis, tout s'est bien passé aussi pour ce single. Et je pense qu'on va encore collaborer ensemble. Excellent, excellent. Et voici pour vous Pop My Life. I'm dreaming about you, I'm dreaming all the time. I need to go with you, or I will go without. Just pop my colors, just pop my color for life. I'm dreaming of you. Sing it for the
J'ai encore des questions pour toi, hein. Ça ne se termine pas là. Pour toi, artiste établi en France, comment tu perçois l'évolution de l'industrie de la musique? Bah écoute, c'est devenu de plus en plus compliqué niveau musique en France. On a de plus en plus de mal, nous, artistes, à vendre nos disques. Maintenant, c'est la passion de la musique qui nous fait perdurer, qui nous fait exister. C'est surtout les fans partout dans le monde qui nous font avoir cette force et continuer la musique. Là, tu fais beaucoup de va-et-vient entre la France et l'île Maurice, des concerts. Et quelle est la relation avec ton public mauricien? Bah écoute, c'est une relation fusionnelle. C'est comme ça que je peux dire les choses. J'adore ce pays, c'est mon pays de cœur. D'ailleurs, je suis devenu mauricien depuis une semaine. J'ai eu ma naturalisation. Donc je suis voilà. Super fier d'être mauricien. Maintenant, j'ai les deux nationalités. Je suis obligé de venir ici tous les 6 mois, au moins 2 fois par an, parce que j'ai un grand attachement avec ma famille, mes grands-parents, tout ça. Qui sont à Maurice, voilà. Ah bon, un petit halo à tes parents. Petit coucou à mes grands-parents. Maintenant, tu sais, je te félicite parce que tu aides beaucoup de mauriciens, beaucoup de chanteurs. On a beaucoup de bons chanteurs ici à l'île Maurice. Et Nadia Lindor, comment ça s'est passé avec elle? Ben écoute, ça s'est super bien passé. On est parti en studio, enfin quand je dis studio, j'avais loué un bungalow à Granby et c'était là où je faisais venir tous les artistes. Et j'ai convié Nadia à venir parmi nous. Il y avait Vincent Brass et Nadia Lindor. Il y avait un petit jeune aussi qui s'appelle DC qui chante comme Chris Brown. Il a une très très belle voix. D'ailleurs, je vais peut-être sortir un single avec lui. Et Nadia Lindor, on a composé So Far Away ensemble. Oui. Et voilà. On a justement le clip, voilà, So Far Away. Suddenly, and I feel so empty.
So Far Away, Nadia Lendor. Je suis avec DJ Assad. Enfin, on est très très content ici à la NBC de t'avoir, Assad. Maintenant, Make It Hot, ton dernier single, tu as collaboré avec Sabrina Washington. Voilà. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé et comment elle est pour travailler. D'accord. Bah, en fait, on était sur un plateau radio. J'étais en train de promouvoir un single, c'était For Your Eyes à cette époque-là. Elle promouvait OMG, c'était un de ses singles. Je ne la connaissais pas personnellement, je l'ai vue sur la scène, j'ai vu que c'était une belle performeuse, qu'elle avait une très très belle voix. Et à la fin de son set, bah, je suis parti le voir. Je lui ai dit, écoute, j'adore ta voix, j'ai trop envie de bosser avec toi, ça serait un honneur pour moi de bosser avec toi. J'ai quelques singles à te faire écouter, est-ce que ça t'intéresse? Elle m'a dit yes, yes, of course et tout. Et elle a écouté, je lui ai envoyé par internet. Elle a écouté, elle est rentrée à Londres, elle a écouté, elle a adoré. Elle m'a dit, écoute, je vais envoyer l'instrumental de Make It Hot. Elle m'a dit, écoute, j'ai écrit un truc dessus, j'espère que ça va te plaire. Je t'envoie une démo. Elle m'a envoyé la démo, j'ai fait waouh. J'ai fait smash it. J'ai fait bon, je vais payer son billet d'avion, je fais viens à Paris, on va enregistrer. Et on est parti en studio, on a enregistré 4 singles. Et le premier single, c'est Make It Hot. Voilà. Et en plus, elle est très très belle. Elle est très très belle. Et dis-toi qu'en studio, elle est comme à la maison. Elle était en talons, elle a enlevé ses talons, elle a mis ses pantoufles. Elle est partie en studio et elle a commencé à chanter. Maintenant, avec Vincent Brass, tu avais fait For Your Eyes. Mais Vincent Brass était plutôt rock, lui. Alors, comment ça a été pour travailler avec lui? Écoute, au début, Vincent Brass, il aimait pas trop la dance music. Il n'était pas trop ouvert à ce style musical. Je lui ai dit, écoute, Vincent, t'as une très belle voix. La musique, c'est international, c'est tous les styles. Il faut être éclectique. Absolument, ouais. Et depuis qu'il a posé sa voix sur For Your Eyes et que ça lui a plu et que ça a fait un carton, et ben maintenant il écoute de plus en plus de dance music. Voilà, de dance music, il est de plus en plus éclectique. Mais ça ne veut pas dire qu'il va plus sur la dance music, ça veut juste dire qu'il pose sa voix si pour lui il y a un côté rock, tu vois. Ouais. Donc il garde son identité, oui, c'est et ça, il reste ouvert à d'autres styles musicaux. And I don't want to
feel the things I have to, and I don't want to. Maintenant, tes idoles. Mes idoles. Bon, en ce moment, j'ai un gros coup de cœur, c'est Gotye. Ouais. Somebody That I Used To Know, qui est un gros tube en ce moment international. Oui, je crois que c'est numéro, rien, un, ouais. Numéro un au monde. Bah, écoute, je me suis permis de prendre son a cappella. J'ai fait un remix de Gotye et je l'ai envoyé à la maison disque, à sa maison disque. Je pense qu'il va devenir officiel mon remix. Apparemment, Gotye a adoré mon remix. Donc, pour moi, c'est un des gros artistes du moment, c'est Gotye. Ouais. Et puis, comme les chanteurs et les autres chanteurs et les artistes. Le plus grand pour moi, c'est Michael Jackson. Hein. Michael Jackson, voilà. Le best. On a quelque chose en commun. D'accord. Tu as aussi travaillé avec le grand Willie Williams. Yeah. Oui. Alors, comment il va? Super bien. Tu l'as emmené avec toi cette fois-ci? Non, cette fois-ci, malheureusement, non. D'habitude, il est tout le temps avec moi dans ma valise. Mais là, malheureusement, maintenant, il est de plus en plus occupé. Ses singles cartonnent. Oui. Donc, bravo à lui. Big up, oui. Et puis, la prochaine fois, je le ramène avec moi. La prochaine fois, tu l'emmènes. Voilà. Maintenant, le single Playground, comment ça s'est passé dans le studio avec Willie? Écoute, avec Willie, il y avait Willie William, il y avait Big Ali et moi-même. Oui. On était entourés de 15 000 femmes. Écoute, on était comme des fous, comme des gosses. C'était bon enfant. Et puis, on a fait un beau clip, je pense. Whoever's so close to you.
quand tu es à l'île Maurice, tu fais quoi comme passe-temps, la plage? À part de la plage, je sais que tout le monde adore la plage à l'île Maurice. Écoute, moi, mon principal passe-temps quand je suis à l'île Maurice, c'est aller voir ma famille. Ouais. Je vais visiter ma famille, c'est là où j'oublie tout, où j'oublie. Ici, il n'y a pas de stress. Je vais voir ma famille, mon daddy, mon dada, je reste avec eux pendant 1 heure, 2 heures, on mange, on parle. Pour moi, c'est ça la vie. Et tes plats mauriciens favoris? Plats mauriciens favoris, c'est un truc qui s'appelle acni. Ah bon? Ouais. Mais comment je connais pas ça, moi? Acni et bouillon la viande frite. Bouillon la viande frite. Bouillon la viande frite. Il faut essayer. Assad, on est arrivé à la fin de l'émission. Malheureusement. Malheureusement. Maintenant, juste avant de partir, un petit message pour tes fans de l'île Maurice. Ok. Alors, big up à tous mes fans de l'île Maurice. Je vous adore. One love. I love Mauritius, I love you. Merci, merci mille fois encore d'être venu. On est merci très, très, très content que tu sois là. Et la prochaine fois, tu viens nous visiter encore? Bien sûr. Avec le nouveau album? Bien sûr. Et je viens avec Sabrina Washington, Mohombi, Willie William, Big Ali, tout le monde. Allez, et tu es, ouais, c'est promis, c'est promis. C'est promis, juré. OK. Thank you very much. And I hope you enjoy the show. And we leave you with the latest single, Make It Hot, featuring the beautiful vocals of Sabrina Washington. Until then, bye-bye.